Mathilde Munoz il est 6h21. C'est l'autre débat budgétaire du moment, celui de la sécurité sociale. L'examen du texte a commencé hier en commission à l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas moins de tensions, de sujets crispants que pour le budget de l'État. La preuve, notre invité ce matin qui s'inquiète du financement des maisons de retraite. Bonjour Jean-Christophe Amarantinis. Bonjour. Vous êtes le président du SINERPA, première confédération des acteurs privés du grand âge. Vous représentez 2000 EHPAD privés. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans ce projet de loi euh... Écoutez, d'abord merci pour votre invitation. Alors ce qui nous préoccupe, c'est pas mal d'absence en termes de financement que nous attendions et que nous espérions depuis plusieurs mois. Euh, à la fois, pas de financement massif en direction des dotations soins d'établissements, qui sont donc soumises à une inflation galopante depuis trois ans euh, un certain nombre de mesures rabots qui nous inquiète sur des, des, des exonérations de charges et pas de mesures de revalorisation salariale conséquente alors que ben, vous le savez notre secteur est en, en grande peine pour recruter et fidéliser des salariés et si cette austérité se confirme là on est encore au stade de projet comment ça pourrait se traduire dans le quotidien des maisons de retraite? Ben, en fait, ces établissements sont en, en difficulté économique croissante hein, de par ces trois dernières années d'inflation. Donc, avec une absence d'investissement aujourd'hui hein, sur l'aménagement de leurs locaux, la rénovation de leurs locaux, et euh, ça se traduirait également par une, une non possibilité pour eux de faire, de, de mettre des mesures sociales en vigueur pour pouvoir créer un choc d'attractivité que nous appelons de nos voeux depuis des années. Voilà. Ça veut dire que sans argent public, le modèle des EHPAD privés ne tient pas Il ne tient pas pour la bonne et simple raison qu'une partie des recettes des établissements sont des recettes administrées, tarifées par l'assurance maladie et par l'État, et sur lesquelles les établissements n'ont pas la main. Ce ne sont que des boîtes aux lettres. Ils reçoivent une subvention, euh, de l'argent, mmh. et cet argent est refléché en direction des salariés et des différentes dépenses. Et si cet argent n'est pas suffisant pour couvrir les charges de l'établissement, Malheureusement, l'établissement se retrouve en difficulté et c'est donc le cas aujourd'hui depuis trois ans. Pour dire les choses clairement, combien il vous faut Est-ce que vous avez chiffré le montant de l'enveloppe que vous souhaitez ou dont ont besoin les EHPAD privés les EHPAD privés, d'ailleurs ce pas les EHPAD privés, c'est la totalité. Mais vous, c'est les privés que vous représentez Mais en fait, j'interviens pour la, la totalité du, du secteur. Euh, une enveloppe massive de plusieurs milliards d'euros pour euh, arriver à renflouer, ah oui. à renflouer euh, la totalité du parc d'établissements qui est en grande difficulté. Mais le problème, c'est que le trou de la Sécu, il devrait dépasser les 18 milliards d'euros cette année. J'ai même vu 28 milliards l'an prochain. Donc on fait comment On continue de le creuser, tant pis on essaie de faire confiance aux professionnels que nous sommes, puisque nous avons énormément de solutions pour faire faire des économies à l'assurance maladie, hein, en Comment modifiant la réglementation, par exemple en, en créant des postes d'aide-soignante la nuit. Hein. Ça c'est un exemple un hein, tout bête. Hein. Une aide-soignante la nuit permet de réduire considérablement le nombre de journées d'hospitalisation en renforçant l'épaule euh, euh, pour personnes âgées euh, désorientées, euh, médicaliser les établissements en transférant sans trop rentrer dans le détail l'enveloppe ambulatoire qui est aujourd'hui dépensée euh, par euh, des euh, par des dépenses ambulatoires, elle est transférée dans les dans les établissements donc les établissements salariés du personnel soignant, gère les enveloppes médicales et donc permettent, de, en étant médicalisés, de réduire considérablement les dépenses d'assurance maladie. Parmi les autres pistes, il y a des sénateurs qui proposent de supprimer un jour férié, hein, en faire une journée de solidarité, donc travailler mais non payer, comme ça a été fait pour le lundi de Pentecôte. Bonne idée ou pas C'est une excellente idée euh, et on y est favorable à 200%. Faut-il encore que cette nouvelle journée de solidarité soit fléchée à 100% directement et de façon pérenne sur le fonctionnement des établissements. Il ne faut pas que deux, trois ans après, on se rende compte que 20, 30, 40% de l'enveloppe est retirée et réfléchie sur d'autres dépenses. Je vous parlais donc de ces sénateurs qui proposent de supprimer un jour férié. Vous, vous avez été auditionné hier par le Sénat. Qu'est-ce que vous leur avez dit on les a remerciés de nous auditionner et en fait on leur a dit qu'on était très inquiets puisque notre secteur est, est encore une fois en grande difficulté à la fois économique et à la fois en termes d'attractivité. On leur a également indiqué que notre pays serait soumis à ce qu'on appelle un tsunami démographique à horizon 2030 avec plus de 50% de personnes âgées de 75 ans, entre 75 ans et 85 ans donc avec un besoin massif de soins, d'accompagnement de la dépendance et surtout... Une, une nécessité de recruter 400 000 salariés supplémentaires à horizon de 2030. Euh, donc ça serait ça, ça va être difficile avec le peu de moyens qui, se, qui est octroyé dans le cadre de ce PLFSS. 2025. Vous avez évoqué la crise économique, la crise de recrutement, il y a aussi une crise de confiance, vous avez moins de résidents qu'avant, avant le Covid, vos établissements affichaient complet, 100% de taux d'occupation, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu effectivement la gestion de la crise du Covid dans les maisons de retraite, il y a aussi le livre enquête sur le réseau Orpea. Est-ce que vous êtes remis en cause après toutes ces crises alors fort heureusement, il est vrai que l'activité de ces établissements s'est considérablement réduite jusqu'en septembre 2023. Depuis septembre 2023, il y a une remontée des taux d'occupation. Et donc aujourd'hui, les taux d'occupation ne sont pas revenus à leur taux historique. Mais il y a une progression entre septembre 2023 et septembre 2024 de l'ordre de 10%. Donc les taux d'occupation sont à 95%. Et pour répondre à votre question, oui, nous nous sommes remis en question, à la fois en interne en obligeant nos adhérents à être beaucoup plus transparents et à, à publier un certain nombre d'indicateurs dans le cadre de, leur ch de la charte d'engagement que nous avons déployée dans, dans notre confédération. En fait, la charte d'engagement, c'est une manière d'aller au-delà des exigences réglementaires. Ça, c'est le mmh. premier point. Et le deuxième point, bien sûr, en 2022, nous avons demandé au pouvoir public de déclencher des contrôles massifs dans l'ensemble de notre parc d'établissements. Ces contrôles aujourd'hui sont en phase d'achèvement. On est à 85% d'établissements contrôlés, avec des résultats qui sont très positifs. Et donc, on en est très satisfait. Merci Jean-Christophe Amarantinis, président du CINERPA, la première confédération des acteurs privés du Grand Âge. Merci.